Amateur de MMORPG, mais aussi de tout type de jeux multijoueurs en général, soyez les bienvenus pour cet hebdo MMO et jeux multi numéro 213. Cette semaine, je vous ai préparé 10 actualités concernant 10 jeux différents. Nous parlerons d'Astra Knights of Veda, de New World, de Wayfinder, Crimson Desert, Throne and Liberty, Arcage et Arcage Unchained, Sinst, Dragonhold, Warhaven et Guild Wars 2. Bien évidemment, et comme toujours, si le contenu de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y lâcher un petit pouce positif, ça fait toujours plaisir. Bon, et bien maintenant que je vous ai présenté le programme de cet hebdo MMO et jeu multi, place à l'actu. Allez, faisons un petit tour cette semaine du côté du MMORPG Throne and Liberty. Je vous rappelle que ce dernier est développé par l'entreprise sud-coréenne NCSoft et sera édité chez nous par Amazon Games. Le jeu sera free-to-play et il sortira sur PC ainsi que sur les consoles Xbox Series X, Series S et PlayStation 5. Une traduction dans notre langue est également confirmée. Si je vous parle de Throne and Liberty cette semaine, c'est parce que nous avons droit à quelques nouvelles informations concernant notre version occidentale du jeu. En effet, durant la Gamescom 2023, Merve Lee Kwai, un des responsables au sein d'Amazon Games, a répondu à quelques questions posées par certains médias étrangers. La première information concerne les intentions d'Amazon Games de supprimer de notre version de Throne and Liberty deux fonctionnalités qui furent pas mal critiquées par le public occidental. Amazon Games prévoit en effet de désactiver complètement le mode de combat automatique, mais aussi le système de farm de votre personnage lorsque vous n'êtes plus connecté au jeu. Ainsi, lors de la future phase de test de notre version du jeu, qui n'a d'ailleurs toujours pas de date, ces deux fonctionnalités seront désactivées. Amazon Games souhaite obtenir les différents retours des joueurs lors de cette phase de test afin de confirmer si oui ou non cette décision sera maintenue pour la sortie officielle. Merve Lee Kwai nous apprend également que le PVP ne sera pas aussi présent que nous pouvions le penser. Les zones du jeu sont pour le moment essentiellement des zones de jeu PVE. Cependant, chaque zone dispose d'une sorte d'avant-poste et les guildes pourront s'affronter pour en prendre possession. En revanche, cela ne sera possible que tous les 2 ou 3 jours et à un horaire défini. Lorsque l'affrontement pour un avant-poste sera disponible, le PVP sera alors possible dans la zone. Les joueurs seront prévenus à l'avance afin qu'ils puissent choisir de quitter la zone ou non. Le PVP sera possible aussi dans des zones précises, là où se trouvent des world boss ou qui abritent certains événements. Toutefois, ces zones seront clairement délimitées par une sorte d'anneau qui entourera la zone. Tant que vous ne franchissez pas cette petite frontière, vous ne passerez pas en mode PVP. De plus, certains événements en jeu ne permettront pas du tout le PVP. Si dans la version sud-coréenne, NCSoft avait indiqué que la nuit, il est possible d'affronter d'autres joueurs et ce sans aucune restriction, ce ne sera pas le cas pour notre version. Il y aura tout de même certains donjons qui ne seront accessibles que la nuit et dans lesquels le PVP sera activé. De plus, Amazon Games expérimente actuellement des donjons exclusivement PVE. Malgré ces modifications, Merve Lee Kwai considère que Throne and Liberty reste un MMORPG axé sur le PVP en raison des nombreux joueurs qui pourront prendre part à des batailles dans les avant-postes du monde ouvert du jeu. L'interview précise aussi que le plus grand événement en jeu, qui est la bataille pour une forteresse, ne peut se faire que toutes les 2 semaines. C'est d'ailleurs là le seul château du jeu. Le sujet de l'équipement des personnages fut aussi abordé. Le jeu propose de l'équipement de différentes qualités. Le niveau maximal d'amélioration est déterminé par la qualité de l'objet. Par exemple, les objets de qualité verte ne peuvent être améliorés que jusqu'au niveau plus 6. Dans le même temps, un objet de qualité plus rare pourra alors se voir être amélioré jusqu'à plus 12. L'amélioration peut échouer, mais cela ne cassera pas votre objet. En revanche, comme je le précisais un peu plus tôt, nous n'avons aucune information concernant la date de la phase de test de notre version du jeu. Je vous rappelle également que de son côté, NCSoft procède actuellement à une amélioration du jeu, notamment sur le gameplay afin de le rendre plus dynamique. Bon, ce sujet-là, nous l'avions déjà vu dans un autre hebdo MMO, donc je ne rentre pas plus dans les détails. Voilà donc ce que je peux vous partager cette semaine concernant le MMORPG Throne and Liberty. L'éditeur Hybe Im et le studio de développement Flint nous proposeront prochainement un nouveau jeu nommé Astra Knights of Veda. Ce titre est un RPG free-to-play en 2D et il est attendu chez nous pour la fin de cette année sur PC ainsi que sur plateforme mobile. Le jeu proposera également une expérience multijoueur pour des activités PVE mais aussi PVP. Astra Knights of Veda vous transportera dans un univers sombre de type Dark Fantasy. Selon le studio, le jeu combinera une histoire, des graphismes, une bande son
un gameplay de qualité supérieure et nous promet même, je cite, une expérience inoubliable. En voilà donc une promesse que beaucoup ont fait avant la sortie d'un jeu et qui s'est finalement avérée être loin de la réalité. Pour rendre votre expérience plus immersive, le studio se targue de proposer environ 1800 illustrations dans le jeu, ainsi que 200 cinématiques et des doublages réalisés par une équipe professionnelle. Nous apprenons également que 120 personnes ont travaillé sur ce projet depuis maintenant 7 ans. Concernant l'histoire du jeu, nous y découvrons un roi fou nommé Magnus qui a poussé le monde autrefois prospère de Planis au bord du précipice. Une armée qui avait été formée pour libérer le peuple de son emprise a été victime d'un tragique événement. Un gigantesque arbre de la mort a surgi de la terre et les victimes de ces fleurs mortelles se sont mises à dévorer la chair de leurs alliés tandis que d'autres se sont transformées en créatures monstrueuses. Ah bah je vous avais prévenu que l'univers du jeu était plutôt sombre. La déesse Veda est alors descendue sur Terre afin de choisir un nouveau champion capable de mettre un terme à ce mal. Et bien évidemment, c'est à vous qu'incombe cette lourde responsabilité. Pour le PVP, de ce que j'en ai compris, celui-ci se déroulera dans des arènes et non pas dans le monde ouvert du jeu. Le système de combat quant à lui intègre un système de roulade pour vous permettre d'esquiver des attaques. Voilà donc quelques premières informations concernant Astra Knights of Veda pour vous cette semaine. Le jeu disposant déjà de sa page sur Steam, vous trouverez le lien de cette dernière dans la description de la vidéo. Depuis ce jeudi 17 août, tout le monde s'éclate à la queue leu-leu. Cet événement qui rassemble des milliers de personnes nous est offert cette fois-ci par Wayfinder, un nouvel action RPG multijoueur édité par Airship Syndicate et développé par Digital Extreme. Si j'ai rajouté cette fois-ci dans la phrase, c'est tout simplement parce que ce n'est pas là une première. Les joueurs de MMORPG et de certains titres plus modestement multijoueurs sont régulièrement confrontés à cette situation. Un nouveau jeu sort, ou un jeu existant propose une nouvelle extension, et c'est souvent ensuite la croix et la bannière pour pouvoir se connecter au jeu en question. Je précise que je n'ai pas dit que c'était toujours le cas pour chaque sortie. Wayfinder, lui en revanche, n'y a pas échappé. Je rappelle d'ailleurs que le jeu est disponible dans le cadre d'un accès anticipé payant sur PC ainsi que sur les consoles PlayStation. Le titre sera cependant free to play lorsqu'il quittera ce statut d'accès anticipé pour celui de la sortie officielle. De plus, à ce moment-là, le studio avait indiqué que le jeu sera disponible sur, je cite, d'autres plateformes. Les files d'attente ne furent cependant pas le seul problème concernant Wayfinder. Si vous espériez, une fois la longue file d'attente terminée, pouvoir vous accorder une bonne session de jeu, eh bien vous vous trompiez. Les joueurs étaient victimes de pertes de connexion au serveur du jeu régulièrement et ce, même après seulement quelques minutes de jeu. Une fois éjecté du serveur par le jeu lui-même, vous revoilà alors en file d'attente sans accès prioritaire. Et encore, au tout début, le jeu ne proposait même pas de file d'attente et vous deviez relancer en boucle la connexion au serveur. Résultat, devoir attendre des heures pour jouer parfois 5 minutes avant d'être éjecté comme un malpropre n'est pas sans conséquence sur la note du jeu. Wayfinder affiche seulement une trentaine de pourcents d'avis positifs sur Steam. Au moment où je rédige ces quelques lignes, la notation Steam de Wayfinder est plutôt négative avec 69% d'avis défavorables. La majeure partie de ces avis ne vous donneront cependant pas d'opinion sur le jeu en lui-même puisque dans leur grande majorité, cela ne concerne que les serveurs. Les studios Airship Syndicate et Digital Extreme ont pris la parole dans un communiqué. Dans celui-ci, ils reconnaissent, je cite leurs mots, que c'était nul pour les gens qui achetaient des packs fondateurs et ne pouvaient pas jouer, et c'était nul pour nous de voir des joueurs incapables d'entrer dans le jeu après avoir cru en nous et en notre vision. D'ailleurs, les studios ont même employé le terme « ça craint » dans le communiqué pour décrire la situation vécue par les joueurs. L'éditeur Digital Extreme, à qui l'on doit Warframe, s'excuse et reconnaît ne pas avoir été à la hauteur. Bien évidemment, les studios expliquent aussi qu'ils travaillent sur l'accessibilité aux serveurs du jeu et à leur stabilité. Nous apprenons également que les joueurs auront droit à un dédommagement. Nous ne savons toutefois pas encore, au moment où je fais cette vidéo, quelle forme il prendra pour les joueurs. Le communiqué mentionne également quelques autres petites informations, comme un ajustement du prix des articles boutiques pour correspondre à celui des recharges de crédit, ou bien encore le problème concernant des joueurs qui n'ont pas reçu les articles compris dans leur pack fondateur. Et quand vous achetez un pack fondateur à 130€, ça fait mal. Je vous propose le lien de ce communiqué en barre d'infos si vous désirez obtenir toutes les informations.
Annoncée avec le sang des sables, la seconde saison du MMORPG New World, la très attendue transmogrification est enfin disponible depuis ce 21 août. Vous pouvez désormais collecter les apparences des armes et des armures que vous obtenez dans le jeu. Ainsi, vous êtes en mesure d'appliquer l'apparence d'une pièce d'équipement sur une autre. À vous les joies de la mode, à vous les défilés en colonie pour vous montrer sous votre plus beau jour avec votre plus belle tenue. Enfin, sauf pour ceux qui apprécient les tenues très féminines sur un personnage féminin. Non. Vous, Amazon Games ne veut pas de vous. Qui êtes-vous en effet pour oser vouloir mettre une belle robe sur un personnage féminin? Bon, revenons-en à notre transmogrification. Lorsque vous lootez un objet, vous déverrouillerez son apparence. En revanche, il vous faudra un jeton de transmogrification pour appliquer une apparence. Les jetons de transmogrification sont obtenables en quantité limitée gratuitement dans le jeu et bien entendu en boutique. New World est un MMORPG sans abonnement et qui ne propose toujours pas 2 années après sa sortie de contenu payant. Le cosmétique constitue une des principales sources de revenus pour le studio une fois le jeu acheté. En ce qui concerne le tarif du jeton dans la boutique, il est fixé à 2500 gages de fortune, ce qui représente environ 2,50€. Si vous prenez 5 jetons d'un coup, le tarif est de 10 000 gages de fortune au lieu de 12 500 gages de fortune. Cela représente donc environ 2€ par jeton. Et comme un jeton permet d'appliquer l'apparence d'un seul équipement, vous aurez besoin de 5 jetons pour appliquer une apparence complète d'armure pour le casque, le plastron, les gants, le pantalon et les chaussures. Si vous désirez aussi changer l'apparence de vos 2 armes, vous devrez alors utiliser 7 jetons en tout. Comme je le disais un peu plus tôt, il vous est possible aussi d'en obtenir gratuitement dans le jeu. Vous pouvez en recevoir 3 dans la partie gratuite du pass de saison. Si vous avez acheté la partie premium du pass de saison, vous pourrez alors obtenir 5 jetons supplémentaires. Les jetons de transmogrification peuvent aussi être gagnés dans des coffres élites une fois par semaine et avec un taux de drop de 1%. Les coffres élites permettent donc ainsi d'obtenir environ 4 jetons gratuitement chaque mois. Avec une saison de 3 mois dont le pass gratuit donne 3 jetons, plus 1 jeton par semaine avec les coffres élites, cela donne donc 64 jetons de transmogrification gratuits chaque année. Et ça c'est sans compter sans les éventuels cadeaux Prime Gaming ou Drop Twitch. Avec ces 64 jetons, vous pouvez vous faire environ 13 ensembles d'armure complets gratuitement et une dizaine d'ensembles si vous choisissez d'y ajouter les apparences pour vos 2 armes à chaque fois. Lorsque vous désirez bénéficier du service de transmogrification, vous devez vous rendre auprès d'un PNJ ajouté en jeu. Il s'agit d'un style mancien qui se trouve dans chaque colonie. Sachez également que vous n'êtes pas restreint par le type d'armure que vous souhaitez modifier. Vous pouvez donc, par exemple, appliquer l'apparence d'une armure légère ou intermédiaire sur votre armure lourde et vice-versa. De plus, vous pouvez utiliser n'importe quelle teinture pour changer la couleur de vos apparences de transmogrification. Les outils pour l'artisanat sont également concernés par la transmogrification. Il y a bien évidemment certaines petites restrictions ici et là dont vous pouvez prendre connaissance dans le communiqué officiel du studio. Je vous propose le lien de ce dernier dans la barre d'infos. Ce 22 août, durant la soirée d'ouverture de la Gamescom 2023, Pearl Abyss nous a partagé une toute nouvelle bande-annonce de gameplay de son prochain jeu Crimson Desert. Bon, ce n'était pas une surprise, nous savions déjà depuis un petit moment que le jeu du studio y était présent. D'ailleurs, avant d'aller plus loin dans cette actualité, c'est bien cette nouvelle bande-annonce de gameplay que je vous diffuse à mon tour. Par contre, ceux qui, comme moi, espéraient un peu plus qu'une bande-annonce risquent d'être légèrement déçus. Le studio n'indique aucune date de sortie, ni même de fenêtre de sortie. Les plateformes ne sont pas non plus précisées. Nous savons qu'à l'origine, le jeu est prévu pour PC ainsi que console de nouvelle génération. Il y a quelques mois cependant, nous avions appris que Pearl Abyss était à la recherche de différents partenaires pour la sortie et que Sony était en discussion avec le studio. Ces informations étaient dévoilées dans les médias sud-coréens comme nous avions pu le voir ici sur cette chaîne. Du coup, nous pouvions aussi espérer voir les logos des différentes plateformes officiellement confirmées, mais ce ne sera pas le cas. D'ailleurs, si les joueurs ont pu remarquer l'absence d'informations pour accompagner ce trailer, comme notamment une date de sortie, eh bien ce ne sont pas les seuls. Les investisseurs eux aussi l'ont très bien remarqué. Ils l'ont d'ailleurs si bien remarqué que l'action de Pearl Abyss a chuté de 14% à la bourse de Séoul dans les 24 heures qui ont suivi la diffusion du trailer. Dans la presse sud-coréenne, toujours elle, nous pouvons lire que le fait que la date de sortie de Crimson Desert n'ait pas été divulguée était considéré comme une mauvaise nouvelle. Pearl Abyss avait annoncé dans cette même presse plus tôt cette année que le développement du jeu se terminait. Pour les investisseurs, ne pas avoir partagé d'informations sur la date de sortie du jeu ne serait pas rassurant et ils redoutent que le développement ne se termine finalement que plus tard que ce que le studio avait annoncé. Il n'est donc pas ici question de doute sur la qualité du jeu comme ce fut le cas en mai dernier
dernier avec le MMORPG Throne and Liberty de NCSoft. L'autre information manquante, c'est le côté multijoueur du jeu. À l'origine, Crimson Desert fut présenté comme un MMORPG. Ensuite, le studio l'a requalifié en action RPG en monde ouvert avec des fonctionnalités multijoueur. Et puis, plus récemment, le studio indiquait proposer une expérience solo pour la sortie du jeu et potentiellement du multijoueur, mais après cette sortie. Le studio a donc changé l'orientation du jeu du tout au tout entre la première annonce et les dernières informations. Nous aurions pu apprécier une information officielle pour savoir si ce potentiel multijoueur à venir après la sortie est toujours prévu, ou si, là encore, c'est finalement complètement mis de côté. Évidemment, si Pearl Abyss finit par annoncer que le jeu ne verra jamais de multijoueur, alors je ne pourrai plus vous en parler dans un hebdo MMO et jeu multi. Pour le moment, je continue de le mentionner ici, puisqu'il est possible que le jeu reçoive du multijoueur après la sortie. Pour en revenir à la bande-annonce, le moteur graphique du jeu que vous voyez en action est le nouveau moteur maison de Pearl Abyss et qui se nomme Black Space Engine. Oui, je sais qu'on peut sembler voir Black Desert, le MMO du studio, mais Pearl Abyss insiste bien sur le fait qu'il s'agit là d'un nouveau moteur graphique de nouvelle génération. Pearl Abyss aime utiliser des moteurs graphiques maison. Le studio avait expliqué que ce nouveau moteur permettra plus de facilité pour développer des jeux pour le studio et ce, plus rapidement. Comme vous pouvez le constater également en visionnant cette bande-annonce, nous pouvons voir différentes zones du jeu et du gameplay avec différents styles de combat. Nous pouvons voir aussi de petites activités comme la pêche, faire de la musique, de la cueillette, de l'exploration ou bien encore caresser des animaux. Le déplacement en monture est également montré. Bon, et je ne vais pas vous décrire ce que vous avez devant vos yeux, vous le voyez bien par vous-même. En tout cas, et pour terminer, la bande-annonce nous en met plein les yeux. J'ai pour ma part l'impression de voir tout ce que les différents gros jeux proposent, mais cette fois-ci réunis dans un seul jeu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez cette petite sensation en regardant ce trailer. Allez, il est temps pour nous de passer à notre rubrique, les news en vrac. Dans cette partie de la vidéo, nous allons enchaîner différentes news sur différents jeux, mais en allant directement à l'essentiel. C'est parti! Et pour débuter, faisons un petit tour en Corée du Sud au sein du studio Kakao Games et de ses deux MMORPG Arcage et Arcage Unchained. Nous avons en effet appris cette semaine que Kakao Games va mettre fin aux versions séparées de ses deux MMORPG Arcage. Ainsi, Arcage et Arcage Unchained, ça c'est la version payante, vont fusionner le 30 novembre en une seule version. À la fin de cette fusion, il ne restera plus qu'un seul serveur pour l'Europe et un seul serveur pour le territoire nord-américain. Selon Kakao Games, la population de joueurs d'Arcage Unchained n'est plus suffisante pour permettre de jouer au jeu normalement. Le studio estime que compte tenu du nombre de joueurs actuels, ils ne peuvent pas continuer à assurer le service Arcage Unchained. C'est pour cela qu'ils ont décidé de procéder à une fusion des deux versions. Si vous êtes concerné par cette fusion de serveurs, vous trouverez dans la barre d'infos le lien de l'article officiel du studio vous permettant de répondre éventuellement déjà à vos premières questions. Le jeu de tir à la troisième personne multijoueur dans un univers de science-fiction avec des missions PvE et PvP nommées Sinst sortira officiellement le 8 septembre 2023 sur PC. Le jeu est également free-to-play. Ce titre est développé par Next Studios et édité par Level Infinite. Une traduction en français sera également disponible. En ce qui concerne la version du jeu pour les consoles Xbox et PlayStation, il faudra patienter encore un petit peu. Le studio nous partagera de nouvelles informations concernant la sortie du jeu sur console prochainement. Le studio Exis, situé dans l'état du Maryland aux États-Unis, nous a annoncé cette semaine un tout nouveau jeu d'action multijoueur à la troisième personne nommé Dragonhold. Le jeu est actuellement en développement pour la plateforme PC et n'a pas encore de date de sortie communiquée. Toutefois, le jeu dispose de sa page sur Steam. Dans Dragonhold, les joueurs pourront chevaucher des dragons dans un monde ouvert, dans des modes de jeu PvP et PvPvE. Le jeu peut éventuellement vous rappeler le titre Century Edge of Ashes, mais contrairement à ce dernier, les combats ne se font pas que sur les dragons. Vous pourrez en effet descendre de votre superbe monture pour combattre avec votre personnage. Nexon nous proposera ce 21 septembre son nouveau jeu Warhaven. Warhaven est un jeu de combat PVP free-to-play qui se joue en équipe et qui prend place dans un univers médiéval fantastique. Si vous aviez participé au dernier test du jeu, sachez que Warhaven va bénéficier de quelques modifications pour cette sortie. À présent, le jeu réunira deux équipes de 12 joueurs au lieu de deux équipes de 16 joueurs. Un nouveau mode de jeu au format 6v6 est également ajouté. D'ailleurs, le studio nous promet d'autres modes de jeu comme par exemple le Team Deathmatch ou le Capture the Flag. Le studio nous promet que la monétisation n'affectera pas la force de votre personnage au combat. Nexon nous promet une boutique qui vise uniquement le cosmétique ainsi qu'un pass de combat. Et pour finir, je vous rappelle que depuis le 22 août dernier, Guild Wars 2 nous propose sa nouvelle extension Secrets of the Obscure. Alors je vous ai déjà parlé plusieurs fois de cette extension dans les précédents hebdo
MMO et jeux multi, donc je ne vais pas m'étendre plus que cela sur ce sujet cette semaine. Je vous rappelle cependant que Secrets of the Obscure est une extension payante. Le premier prix démarre à 24,99€ avec l'édition standard. ArenaNet vous propose également une édition de luxe à 49,99€ et une version Ultimate à 74,99€. Et puisqu'il est bon également de le souligner, lorsque tout se passe bien, la sortie de l'extension s'est donc bien passée pour les joueurs de Guild Wars 2. Pas de file d'attente, pas de serveur qui crache toutes les 2 minutes, pas de jeu complètement foutu en l'air, tout s'est bien déroulé. En effet, ArenaNet a maîtrisé la sortie de son extension et les joueurs ont pu en profiter sereinement. Et voilà, chers amis gamers, nous sommes arrivés au terme de cet hebdo MMO et jeux multi. Comme toujours, j'espère bien évidemment que celui-ci vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à y lâcher un petit pouce positif ainsi qu'un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si jamais tu viens de t'abonner durant cette vidéo, sache que je suis très heureux de t'accueillir parmi nous, sois donc le bienvenu par ici, et si tu l'étais déjà, eh bien je ne t'oublie pas et je te remercie mais cette fois-ci pour ta fidélité. Et non, je n'en ai pas fini avec les remerciements puisque cette fois-ci, je vais remercier les personnes qui ont souscrit à l'abonnement payant à la chaîne YouTube. C'est comme pour Twitch, mais sur YouTube. Merci donc à Parabellium47 et bienvenue à toi, Furious Panda, Naru, Bishop, Kotel Kotel, Corpix, JFR, Pink Wabi, Illusion et Christophe. Merci à vous pour le soutien supplémentaire que vous m'apportez. Je vous rappelle également que non, je ne peux pas traiter de toute l'actualité d'absolument tous les MMORPG et de tous les jeux multijoueurs en un seul hebdo MMO et jeux multi, ce n'est juste pas possible. Alors oui, il y a des annonces que tu aurais bien aimé voir dans l'hebdo MMO et jeux multi, mais malheureusement, je dois faire des choix et donc, c'est pas toujours le choix qui te convient. Mais sache qu'en me rejoignant sur Twitter, tu trouveras davantage d'actualités sur tout un tas de jeux différents. Les nouvelles annonces de nouveaux jeux, les bandes annonces des trailers d'extensions, des petites informations par-ci par-là concernant tout un tas de jeux différents, parce que là-bas, je parle vraiment de tout un tas de types de jeux différents, pas seulement multi, il y a de tout. Du coup, si ça t'intéresse, le lien il est dans la barre d'infos, il n'y a plus qu'à cliquer. Alors oui, je sais, j'ai dit Twitter, ça s'appelle X à présent, mais j'y arrive pas mentalement, dans ma tête, ça reste Twitter. Étant donné que l'hebdo MMO cette semaine dure plus de 20 minutes, avec ce message de fin compris, je ne vais pas m'éterniser dans ce message, je vais donc vous laisser à présent, toujours en vous souhaitant bien évidemment d'excellentes sessions de gaming, et ce peu importe à quel jeu vous allez jouer, parce que le principal, mes petits amis, c'est de s'amuser. Et bah ouais, ciao, bye bye.